Louis prend son bus, comme à tous les scrutins. Ça fait plus de 60 ans qu'il est un bon citoyen. Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie de tous les jours? Ça fait bien des années qu'il vote contre et non plus pour. Mais Louis a toute sa tête et il les voit venir. Car Louis n'est pas bête et ne veut pas s'assoupir. Il se battra toujours pour qu'il ne soit pas élu. Pour voir les derniers jours d'un FN enfin vaincu. Il a raison d'y aller, il a raison de le faire, crois-moi. Où on dira assez dommage, elle a gagné cette fois. Lucette est avec lui pour mettre son bulletin. Elle vote depuis que le suffrage n'est plus que masculin. Elle a connu le temps où les femmes n'étaient rien. Et ce temps-là, hélas, n'est pas aussi lointain. Elle vote par passion avec des certitudes au cœur. Pour elle, Mélenchon fera notre bonheur. Voter France Insoumise, sinon c'est pas la peine d'aller mettre une voix juste contre Le Pen. Elle a raison d'y aller, elle a raison de faire, crois-moi. Où elle dira assez dommage, il lui a manqué ma voix. Elle a raison d'y aller, elle a raison de faire, crois-moi. Où elle dira assez dommage, il lui a manqué une voix. Tony est leur fils et leur est attaché. Mais depuis longtemps il n'a plus les mêmes idées. Il s'est penché à droite et a failli tomber. En tout cas c'est Wauquiez qu'il l'a pris dans ses filets. Pour lui la ligne rouge n'existe plus vraiment. On peut taper partout, surtout sur les musulmans. Il a même failli rejoindre Dupont-Aignan. Tout cela au grand désespoir de ses parents. Mais il a raison d'y aller, même pour voter LR, crois-moi. Où il dira assez dommage, voter n'existe pas. David, leur petit-fils, ne s'intéresse à rien. La politique n'a jamais vraiment croisé son chemin. Je ne lui donne pas tort à voir les résultats. Les promesses électives retombent souvent à plat. Il fait le désespoir de toute sa famille. Il ne va jamais voter, préfère courir les filles. Il ne se rend pas compte qu'en restant dans Saturne, c'est Le Pen et consorts qui remplissent les urnes. Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. Où il dira assez dommage, la peste brune est là. Tu aurais dû y aller, tu aurais dû le faire, crois-moi. Où tu diras assez dommage, la peste brune est là.